Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous invite de connaître l'homme ou mieux connaître la tragédie congolaise. Mais cet homme, c'est qui? Monsieur Denis Sassou Nguesso. Connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Donc, pour faire tout simple, Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est un cynique, hystérique, paranoïaque, et je dirais même pervers, parce qu'il jouit de la souffrance des autres, de la mort des autres, même avec arrogance et rébellion. Sassou Nguesso est malade là, dans la tête. Ça ne part pas que d'aujourd'hui. Il y a toute une psychanalyse qu'il faut faire depuis son enfance jusqu'à nos jours, à près de ses 80 ans. Parce qu'on ne peut pas jouir de la souffrance des autres dans ces conditions-là. Où, soi-disant qu'il est africain, congolais, humain et même ses semblables, on ne peut pas traiter dans le déshumanisme total ses propres semblables. Et surtout quand on a la tête d'un pays, que ce soit de fait ou de droit. Mesdames, Messieurs, oui, écoutez ça. Pour comprendre un peu. Il n'y a pas un seul prisonnier politique. Comment on peut montrer ce pays-là du droit? C'est de quel droit de l'homme qui sont refusés aux Congolais? Nous n'en connaissons pas. Bon, mesdames, Messieurs, c'est ça qu'on appelle un déni du crime. Je ne vais pas vous faire un cours de psychiatrie. C'est un déni de crime. Donc pour Sassou Nguesso, il n'y a pas de prisonnier politique. C'est là pour son côté psychopathe et sociopathe. C'est là dès qu'il a dit à régner les prisonniers politiques. Pour eux, les Mokoko, les Polemakaya, les Liboka Nguka, les Jean Gwabi, les Kone Pika et tous les autres sont déjà morts. Pour eux, c'est mort. C'est ce qu'il appelle la paix éternelle. Parce que la paix éternelle, c'est Sassou, c'est la mort. Donc, quand Sassou Nguesso parle de la paix éternelle, c'est la mort. Bien sûr qu'il aime toujours ses prisonniers politiques ou ses opposants quand ils sont morts. Et c'est ça, on est en face de quelqu'un qui vient de justifier que les Mokoko, les Polemakaya et tous les autres ne sortiront pas vivants. Ils sont morts parce qu'il n'y aura plus de prisonniers politiques. Pour lui, c'est fini. Il n'y a pas de prisonniers. Il n'y a plus de prisonniers politiques. Parce que pour lui, il les a condamnés, ils sont morts. Et vous voyez même dans ses gestuels, même avec arrogance, il sourit, il jouit de la situation des autres. J'ai vu sur cette vidéo faite par Bazanouz, on voit d'un côté le général Mokoko et de l'autre Okombi Salissa, on voit que, bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a les Polemakaya, il y a tout ça. Donc ça se jouit de la souffrance des uns et des autres. Est-ce que ces gens-là qui sont en prison, qui lui l'a emprisonné, qui l'a pris en otage, est-ce qu'ils ne seraient pas contents d'être avec leurs femmes, leurs enfants, petits-enfants et autres, amis et autres? Mais non, pour lui, c'est tout normal. Le pouvoir, c'est celui, c'est comme une loi naturelle. La loi du plus fort, la loi de la gêne, mais additionnée avec ce que je définis comme la classe des reptiliens. Parce que vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est les reptiliens, c'est ça. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils ne fournissent aucun effort pour chercher la vérité. Alors que nous, tant qu'humains, on fournit des efforts pour chercher la vérité. Mais vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc pour lui, il n'y a pas de prisonnier politique. Oui. D'un côté, bon, ben, il ment. Mais de l'autre, bon, il a raison parce que pour lui, ils sont morts. Ils ne vont plus exister. Mesdames, Messieurs, donc vous venez comprendre une partie du cynisme de ce monsieur que vous appelez, que certains ont appelé président, d'autres excellences, autres. Voilà. Donc quel est le repère moral et surtout social? Mesdames, Messieurs, oui. Donc, vous venez de voir que Sassou a zappé déjà les prisonniers politiques. Ils sont morts pour lui. Si on ne se bat pas à les libérer, tant pis, ils vont mourir là. Donc, c'est comme ça. Ils sont morts. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc, connaître l'homme pour mieux
connaître la tragédie congolaise. Mesdames, messieurs, écoutez ça. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le pool dernièrement. Mesdames, messieurs, pour ne pas aller loin dans cette vidéo, c'est déjà, pour ceux qui ont la mémoire courte, peut-être la mémoire longue, c'est l'histoire du goût du sang. Quand il fait déjà, voilà, qui n'a jamais goûté, qui n'a jamais goûté le goût du sang. Et après, c'est que vous avez vu pour la guerre du pôle, la guerre asymétrique, le terrorisme d'État. C'est toujours comme ça que ça se procède. D'abord par des menaces. Là, il demande à la population d'aller chercher Toumi, parce que son armée est fauchue. Elle est démobilisée. On a tué pas mal de gens, tant du côté de la population que du côté de ses miliciens, de son armée. Donc c'est motivé, il n'y a plus d'argent. Mais cherche maintenant vous-même à diviser les gars du pôle entre eux, pour qu'ils se divisent. Voilà. C'est vraiment, la stratégie est simple. Faire de la crise du pôle, hein, vous voyez, un problème pôle-pôle. Afin de vider de sa substance politique, qui est pourtant la cause essentielle du problème. Voilà. Donc, c'est pourquoi lui, il a tenté d'assassiner Toumi, il n'a pas pu, peut-être, je ne sais pas, encore. Mais là, il se demande aux autres de maintenant se l'occuper. Donc, Sassou Nguesso est un pompier pyromane. Et donc, vous êtes là, en fait, quand on voit même dans la vidéo, les messieurs soi-disant sages, parce que la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. La sagesse, c'est accompagner les gens dans leur espérance de vie. Mais là, ils veulent transformer les gens du pouls là en ce qu'ils ne sont pas. D'autres, ils sont là, ils remuent la tête. En fait, ils sont pris en otage par un pompier pyromane. Celui qui a pris seulement, n'a pas pris seulement en otage le peuple du pouls, mais tous les peuples congolais. En déniant les opposants politiques. Hein, qui pour lui c'est mort, et là il s'attaque au pôle pour laisser vous-même gérer ça. Il veut même aller jusqu'au dialogue, aller gérer vous-même mes problèmes que je vais créer, parce que on ne règle jamais un problème avec les mêmes mots de pensée qui les ont engendrés. On ne règle pas les problèmes avec les gens qui les ont provoqués. Donc Sassou, c'est un pompier pyromane, ça ne s'arrête pas. Il ajoute des crises aux crises, des agendas permanents. C'est ce qu'on appelle le coup d'état permanent, c'est ça. Donc lui, il est là, il ne s'agit plus que du coup d'état permanent. Il y a aussi du déshumanisme permanent, la décivilisation permanente, le déclassement général permanent. Mais qu'un seul individu, mais ce n'est pas possible. Mesdames, messieurs, donc vous venez de comprendre que Sassou a un problème, hein. Il parle depuis sa psychanalyse, c'est-à-dire depuis son enfance jusqu'à nos jours, qu'il faut un jour traiter. Mais je ne sais pas quelles conditions va se terminer son règne. Est-ce que ce sera dans la dignité, comme cela arrive toujours dans les dictateurs de type M. Sassou Nguesso, ou dans la dignité? C'est à lui de faire. On ne peut pas le raisonner aujourd'hui. Sassou est, il est droit dans ses bottes. Il est carré dans le cynisme, dans le déclassement général du Congolais. Donc, vous connaissez tous ces mots-là qu'on ne va pas citer, assassinat, torture, autre. Non, on ne va pas citer ça, c'est des mots. Voilà. Donc, tout un pays est pris en otage. Donc,
Le problème des prisonniers politiques ne sera pas résolu tant que Sassou sera là. Parce que c'est prisonnier. Il ne va pas lâcher. C'est comme ça. Il jouit même. Regardez, quand il avait arrêté le général Mokoko, le foot en prison, il était à Kigali, au Rwanda. Vous voyez comment il dansait? Il faisait la fête. Avec une danse, je ne sais pas si c'est pas... Nous, au Congo, on n'a pas ça, au Bantou, on n'a pas ça. Peut-être une danse ouest africaine, danser comme ça, il fait comme ça, je ne sais pas comment. Vous voyez déjà le cynisme. Donc, à chaque fois que ça se fout le bazar, et il y a toujours un problème pour tout le monde. Donc, nous sommes là, on pris en otage individuellement et collectivement par un individu. Mesdames, messieurs, n'oublions pas la condition sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, aux soins, à l'éducation nationale qui est aujourd'hui par terre, alors qu'il dit pays émergent. On détruit les savoirs et la connaissance. Et ça, c'est un danger, c'est un génocide. Le premier devoir d'un gouvernement, c'est penser toujours au savoir, à la connaissance. Fabriquer les cadres de demain. La main-d'œuvre de demain, qualifiée. Voilà, donc c'est ça. Mais là, on a déclassé l'école et on a détruit aussi les conditions d'accès à l'emploi au Congo. Voilà. Donc, n'oublions pas le cadre de vie, des villes poubelles pathogènes. L'eau déjà insalubre est déjà empoisonnée par les caca pipi de eux. Mais c'est vraiment un crime, ces gens-là. Je ne sais pas comment les gens là-bas vivent. Ils sont là, mais je ne sais pas comment il a fait à cette population qui n'arrive pas à sortir dehors. Mesdames, messieurs, oui, n'oublions pas la mobilité. Oui, les chemins de fer ne marchent plus. Et tout est payé par terre. N'oublions pas la dette qui ne cesse de gonfler et qui va arriver peut-être à 300-400% du produit intérieur brut. Et nous sommes là en train de constater les besoins politiques deviennent comme des journalistes, quelqu'un de constater, alors qu'un homme politique est d'abord pour s'indigner, mais puis agir. Je ne veux pas que vous entendez, vous tous. Non, on ne peut pas. À cette histoire avec le problème géopolitique, on ne peut pas s'entendre comme ça. Il y a du tribalisme, il y a les mafias différents. Trouvez-vous, structurez-vous. Quelqu'un qui est opposant politique. Aujourd'hui, la situation du pays ne touche plus que le pôle. Il touche aussi tout le pays. Donc, on a une matière de mobilisation. Parce que la condition sociale touche tout le monde. Mais pourquoi vous venez encore à semer des amalgames et du négationnisme ou voilà, non, vous êtes allé des dictateurs, mais à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Mesdames, messieurs, en fait, je pense que le danger est réel. Sassou ne le sait pas. Parce que ce qu'il fait là, il a pris les moyens de l'État, qui sont les armées, la force publique, les renseignements, la justice, les administrations, la diplomatie, les comptes publics, et tu tireras. Mais à tout instant, comme on dit, le peuple même dans les ténèbres, il y aura toujours un jour, bon, si celui qui vient, s'il prend le contrôle de ça, avec ce que Sassou Nguesso a fait là, parce que certains, que de l'air libre, pensent déjà que c'est possible. Si Sassou fait là, qui ne dit pas qu'un autre le fera. Mon Youlou l'avait toujours déjà dit. Et puis, Philbert Youlou, un jour ou l'autre, nous aurons un fou dans ce pays. Et si c'est fou, c'est Sassou, il est là. Mais je vous ai toujours dit que nous aurons encore un peu plus fou. Parce que la haine est là. Elle n'est pas que ça se dit au sud, elle est au nord, à l'est, à l'ouest. Elle est là. On ne sait pas quel malin va traiter les Sassou et les Nguesso, sa tribu et tout ce qu'on connaît. Donc il faut prendre ça, votre responsabilité historique, et les dégager, s'entendre et les dégager maintenant. Sinon le pays est foutu. Ça c'est sûr et certain. Donc arrêtez de créer des amalgames et rester dans le négationnisme et autres. Vous avez des stratégies, on vous a tout livré les stratégies. Hein? Brazzaville va du 1er arrondissement au 9e arrondissement, il y a plusieurs endroits. Celui qui se définit opposant vraiment à Sassou, vous structurez ça avec les gens, les agents relais qui vont les trucs pour préparer vraiment entre les victimes. Et jour là, c'est spontané. Comme vous voyez la libération de Paris, tapez la libération de Paris. Ce n'est pas les gens qui partaient du 1er arrondissement de Paris jusqu'au 18e arrondissement de Paris, même en banlieue, non. C'était les gens qui restaient à cet endroit-là de leur arrondissement. Mais en bloquant les artères stratégiques. Donc on crée le feu pour qu'on lance des trucs pour qu'ils soient là. Ça se va avoir avec ses moyens aujourd'hui pour avoir les moyens de sécuriser la vie de Brazzaville depuis le 1er arrondissement
jusqu'au 9e. C'était à peu près 30 kilomètres. Hein? 30 kilomètres. Attends, c'est pas possible. Tu peux pas sécuriser 30 kilomètres du sud au nord et à peu près 7 ou 8 km de l'est à l'ouest. Non, de Brazzaville, c'est pas possible. Donc il faut voir que c'est possible. Donc vous bloquez les accès au centre-ville. Pour qui il y a des arrondissements Bakongo, Poto-Poto, en passant de Filou et autres. Mais les axes, que ce soit à Malkilikili, à Mukuzingwaka, à Kisundi, que ce soit à Talangai, à Kombo, hein, jusqu'à Ndiri et tout ça. Donc, il faut chercher là, dire qu'il faut diffuser les messages unitaires. Que le problème, c'est Sassou. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les prisonniers, ce n'est pas le nord, sud, est, non. Celui qui viendra, ce ne sera même pas ça, parce que les comptes seront réglés d'abord contre les gens qui ont mis ce pays-là dans ce chaos. La priorité sera d'abord des circonstances atténuantes pour les vrais résistants et les vrais dissidents. Le reste, ils seront traités dans l'indignité totale, parce que ce que ça se fait là, ils ne sont pas nombreux. Si on prend sa famille, son clan, on prend quelques membres de la tribu, les dignitaires, non, ils sont moins de 3 000, hein. Ils sont pas plus de 3 000, hein. 3 000, on peut les traiter de manière judiciaire aussi dans l'indignité totale. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est à eux de prendre les responsables pour qu'il y ait demain des circonstances atténuantes, parce que nous sommes pris en otage individuellement et collectivement. Donc, faites attention, parce que quand je vois des messages que M. Sassou Nguesso a diffusés sur le président politique, donc Moukoko, tout ça, si vous voulez, il va mourir. Mais le pays demain pourra se retrouver avec les mains des extrémistes, parce que Moukoko, quand même, c'est un fédérateur. Donc, il aurait pu faire les Nord-Sud dans la fédération, comme le peuple l'a choisi, et même traiter les Nguesso dans la dignité. Mais là, si on laisse là, ça va tomber aux mains d'extrémistes. Parce que dans un pays, il n'y a plus d'unificateur, fédérateur. Donc on va se trouver dans une situation de méfiance, on va régler les choses parfois de manière violente. C'est ça que Sassou, les Nguesso et les Sassou, vous pouvez voir. Parce que nous sommes déjà dans l'inquiétude globale. On a toutes les informations maintenant sur vous. Hein? Quelqu'un qui aura la diplomatie, qui est sorti, qui va où? Non, ça c'est simple. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des cons, pour des imbéciles. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. En parlant du problème du poule qu'il a parlé, c'est des menaces. Donc chaque fois qu'il fait ça, il fait des menaces. Mais comme il n'y a plus de moyens d'agir pour tuer encore les gens, mais il faut faire attention, parce que ça n'est pas encore terminé. Donc voilà, donc le problème n'est plus nord, sud, est, ouest. Non, le problème, il y a un dénominateur comme un individu qui est là en tête, il a pris un pays en otage, qui croit que ce pays est devenu sa propriété privée. Et en plus de ça, il a des alliés qui sont soi-disant opposants, faux opposants, et la société civile et associations partenaires à la tyrannie, vision de la tyrannie comme compétition des groupes d'intérêt, particuliers, partisans, qui leur permettent de s'élever dans le rang social, hein, et ou surtout avoir des privilèges et autres dans un pays déjà qui est déclassé, foutu, qui d'ici peu sera tout vendu à la découpe à cause de cette dette de merde. Donc prenez votre responsabilité civilement et militairement. Organisez-vous. On dit un seul individu debout et conscient et motivé vaut plus que 1 000 individus soumis et esclaves. C'est ça. Ils n'auraient pas des esclaves. Un seul. Bon, si vous avez une centaine à Brazzaville, les gens motivés, engagés, suturés, qui ont un cerveau qui peut organiser cette résistance, c'est eux qui vont prendre le pouvoir demain, qui sont au cœur du pouvoir pour repenser ce Congo-là de demain. Donc prenez votre responsabilité, parce qu'on a qu'un seul pays. Le pays est fouché. Donc, ne laissez plus le temps à ce monsieur-là continuer à déclasser le Congo. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous laisse comme je vous ai trouvé, sans mort d'homme d'abord, et ils continuent à chercher à tuer les gens. Pour eux, c'est leur marché, c'est des barbares, c'est des sauvages, c'est des cannibales, c'est des andibis, c'est des faux canis, hein, ce sont des faux canis, ce sont des andibis, Dracula, cannibales, vampires, et tout ça. On ne va plus vivre ce pays-là. La situation pose sa question. Sera géré non seulement au niveau des affaires, des devoirs de mémoire, mais de manière judiciaire et pénitentiaire. Et vous verrez ça. Il y aura un choc de moralité et de justice. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas bien. Donc moi, je dis seulement au clan de Sassou et de Nguesso et des clans Mboshi, pas tous les Mboshi, Mboshi de ce côté-là.
et aussi des nordistes. Oui, surtout nous, nous avons la responsabilité, mais non, pas nos responsabilités pour que ça se passe. C'est tout. Parce que le pays est foutu. Et après, on va nous laisser quel pays, avec quel individu qui viendra à côté, où il n'y aura plus rien, parce que personne ne fait plus confiance à personne. Bon, les cours du baril de pétrole, c'est fini. Hein, le pétrole, c'est fini. D'ici 2050, c'est fini. Parce qu'on va vers plus de voitures électriques, énergie renouvelable. Donc, on est en train de faire ça. Donc, ne pensez plus au pétrole. Donc, la courbe du baril de pétrole va rester stagner autour de 35 dollars à 25 dollars, entre 25 dollars et 40 dollars d'ici à 2025. Ça ne va plus changer. Donc, qu'est-ce que nous, on va avoir comme revenu? Bon, lui, il commence à vendre les forêts, hypothéquer nos forêts, hypothéquer nos terres. Et autre, qu'est-ce qu'on va se retrouver? Et vous continuez à regarder ça comme ça. Et vous avez des enfants, petits-enfants, là-bas, au pays. Alors, c'est quoi cette histoire de Congolais de merde? Allez, suivez les moyens militaires, organisez-vous, restez motivés, connectés, et mettez tous les stratégies pour les faire partir. On n'a plus le choix. Sinon, le pays est foutu. Ça, ce n'est pas éternel, n'est pas immortel. Il va laisser un pays, mais quel pays? Un pays peut-être qui risque des partitions, des bazars. Donc, à cause de cet individu? Mais non. Voilà, c'est nous qui laissons là. Donc, il ne faut pas continuer à créer des amalgames, à jouer à la lâcheté, à la traîtrise et autres. Trouvez les lâches. Là, sont déjà identifiés. Il y a des gens qui font des bases de données, des fichiers sur ces gens-là. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs fichiers de ces gens-là qui seront demain mis au pouvoir de transition avec surtout la dimension judiciaire et tout ce que vous connaissez. Chérie, naïe, à moi n'importe où, oui.